Attachez en tout cas vos ceintures, mesdames, messieurs. Masolo ya mboka ebandi, masolo ya mboka lelo ezali. Vraiment spécial. Pourquoi je le dis? Parce que nous sommes au mois de décembre. Et au mois de décembre, il y a des fêtes. Oyo bandeko mosusu ba fetaka na oyo bandeko mosusu ba fetarate. Mais na souhaité bino déjà bonne année 2022 ezala année ya kitoko pe ya malamu pona bino. Le sujet que nous allons exploiter aujourd'hui est un sujet à polémique. Je peux le dire ainsi en tant que journaliste, mais bino moko na ndaku boko zwa ba réponse parce que même na bandaku ska bozali bozali partager. Tozo beta likambo ya actualité, actualité ezali le 25 décembre. Avant roban d'émission, oyo na consulté calendrier ya République démocratique du Congo. Tala pe calendrier ezali na nguna ndako. Na tali ba jour férié en République démocratique du Congo, na kutipe le 25 décembre ba komi jour de Noël. Alors, nous savons que notre pays est un pays laïque. Oyo ba église nyonso ezali na liberté yako évré sur le sol, le territoire congolais. Nous avons des églises des réveils également. Oyo lelo yo surtout confusion ezali au sein des églises de réveil. Il y a certains pasteurs dans l'église de réveil. Bo constater ngonangai sok botali ba logo mingi lelo na ba ya ba télévision bien sûr, ba logo ba chaîne chrétienne. Il y a des ces chaînes chrétiennes o ba logo na bango et lati bongo bikoti ya Père Noël. Zapé zapo komona. Misusu ba logo e ba chaîne na bango lati Père Noël et linko laksa ke ba ko fêter Noël et tout ce qui va avec. Mais en a mon susu pe ba église de réveil oyo ba logo na bango ya ba chaîne et lati et koti ya Père Noël te. Ce qui veut dire il y a de ces églises de réveil qui vont fêter Noël, il y a de ceux qui ne vont pas fêter Noël. Alors, à la lumière des écritures, ndeto lingito solo la lelo. Est-ce que les chrétiens doivent-ils fêter Noël ou pas? Ndemo tuna yango ezali lelo. Ba chrétien sengeli ba fêter, ba chrétien sengeli ba fêter te. Tobengi si papa 120 ans, papa Roger Nzaou, un homme de Dieu, un serviteur responsable, et longo na yende tozo solo la. À la lumière, je précise bien, zo Bible na yo, tia pembeni po ma solo ya mboka e bandi. Papa Roger Nzaou dit papa 120 ans, mbote na yo. Mbote papa na biso Bradley. Oza malam. Na kimia pe na ngolo na nzambe. Bonne année pe bonne fête de Noël. Nandimi bonne année. Mais na boy bonne fête de Noël. Bonne année. Eza na Bible te. Eza na Bible te. Eza ngambo. Ah bon. Masolo to so la lelo. Okay. Mais avant na peso maloba o banda sikoyo. Répondre nga na oui ou non et puis na poser deuxième question yango ko développer. OK. Ba Christu e sengeli ba fêter Noël to sengeli te ba fêter. Question biblique, réponse biblique. Si on a répondu, pasteur wana lobaki. Ce que Bible est répondre, Bible est lobaki. Bible est lobaki. Osée chapitre 4, le verset 6. Osée. Osée 4, zo verset au commando bien. Osée chapitre 4, le verset 6. Awa nzambe azali ko déplorer makambo misatu. Allo biboy. Mon peuple est détruit. Parce qu'il lui manque la connaissance. Awa, batwa liboso bazo koufa. Yanzambe, po anini, boye desate. Deuxièmement, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejeterai. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Awa, yana batu oyo, ba yebi. Pas bradile. Ba yebi, ke noue les amabe. Basa langokaka. Dieu dit quoi? Na ko depuyer yo na kimusala ensemble. Ya liboso ayebite akufi. Ya mibale ayebi ayebi na ye mais abone ko sala. Azo fete no wel na ban. Bilamba sikape na soso azolia. Nzamba ko depuyer yo. Troisième groupe de gens. Quand a osé 4 le verset 6. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu. J'oublierai aussi tes enfants. Tala awa papa, abosani ma kambona nzambe. Nzambe, ole abeta ye. Nzambe, zo bosa na prière abana na ye. Ono swana nini, ignorance. Siko na zonga,
makambu ya Noël e uta wapi. Boto pesa to fete, ubie to fete angote. Mm. Bandeko, Noël e uti na latin. Ba oba yeko la latin. Noël e uti na latin, natalis dies. Naissance d'un dieu. Dieu wana tiango na de minuscule. Naissance d'un dieu. Hein? Naissance d'un dieu. Indéfini et puis. Indéfini. Dieu est en minuscule. Na minuscule. Si ko epai na ba romain ba kolo latin. C'était un peuple polythéiste. Si ko moko na banzambe na bango abota maka na mokolo ya. Naissance. Polythéiste qui veut dire plusieurs. Basana banzambe et belé. C'est comme moko na banzambe bango basambe laka. Hein? Ne abota maka le 25 décembre. Zambangonan. Na Europe, bazali na hiver. Na période ya hiver, totanga mouke moi géographie. Bazo bengango solstice d'hiver. Wana boutou ezala kamoulaï. Nzambe na bango un peuple polythéiste. Le 25 décembre, curieusement, ne soleil a sali fort abimi. Ne balobi nini, dies, natalis, solis, invicti. Et a soleil alongi. Soleil abimi, babandi ko sambe la soleil. Oyo abimi, na période oyo, moi moulili ezalaka cause ya hiver. Si ko batouana basambe la ka soleil. Ce dieu la soleil pona bango il s'appelait Nimrod. Ou bien Saturne. Yenge nzambe na bango soleil ya longi au milieu de l'hiver, soleil abimi, babandi ko adore soleil. Babandi ko kumi sa soleil wana ba romain, ba yudanga na te, ba apotanga na te. Et côté na Bible ndenge nini? Ok, c'est ça la grande question. Écoutez la Bible, na makambo na nzambe Bible te, na makambo nzambe ndenge nini. C'était le 25 décembre. Oui. 336. Il y avait un pape. Pape Liberius, un Romain. Pape wana mutwa liboso. Oyazo koti sa fête wana na église catholique. Na Rome. C'était pape et coincé mon collègue moko abotama il est né le 25 décembre pape Liberius oh, pape Liberius na 336 le 25 décembre mutwa koti sango na église catholique et na kati a fête wana on faisait quatre choses ya liboso les repas voilà pourquoi na Noël balamba kabiloko maliaka. Omoni, deuxième chose, oui. On offrait échange de cadeaux. Omona moi si apeso bana ye cadeau parce que pape a salango, oui. Ye muto a instituer yango. Et loko a misatu, on offrait des figurines aux enfants. Ken na bazam, ba figurine, ndache boy. Et lungi ba zipi, bana ba osekwa tambo nango. C'est le pape qui a fait ça. Yasuka que l'on faisait. Alors, on plaçait des plantes vertes dans des maisons. Des plantes vertes. Au moment des plantes, les plantes vertes. Or, que dit la Bible sur ce que le pape là, Liberius, a fait? Éphésiens chapitre 2, le verset 20. Papa de l'œil. La Bible dit quoi? Vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même est la pierre angulaire. C'est quoi? Liberius azali ni apôtre, azali ni prophète, azo koti sa eloko oyo ba apôtre ba salate. Voilà le premier homme qui nous a induit dans l'erreur. Le pape Liberius. Yende. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 11. 1 Corinthiens 3, le verset 11. Car personne ne peut poser un autre fondement. Voilà. Au moment du fondement, il y a Noël. Et où tu es pas, Romain?
lesquels les Romains nandenge na bango ba polythéiste et koti na makambu ya église makambu anzambete à travers pape Liberius yende ayena fondement ya sika à contredire 1 Corinthiens chapitre 3 verset 11 où la Bible dit personne ne peut poser un autre fondement papa dilei. C'est que Noé les a et ça fondement posé l'icolo il y a un autre fondement personne ne peut poser un autre fondement que posé par les apôtres savoir Jésus yemoko mama oyabota Jésus apesi date naissance à moi na te ba apôtre bango moko ba pesa ngote bino na église na ba église dit te réveille bozo fetango sur quel fondement biblique. Et qu'est-ce que la Bible dit? Écoutez la conséquence. Hein? On y a qu'on fête Noël. Mm. On peut vivre Apocalypse. Chapitre 22. 18 à 19. Où la Bible dit quoi? Mm. Apocalypse. Chapitre 22. 18 à 19. Je le déclare. Laisse le Seigneur qui dit. Mm. Je le déclare à quiconque entend. Les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, aïe 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 aïe. Papa dit là, oyo akobakisa eloko, na oyo Bible lobite. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ses livres. Voilà pourquoi la mort arrive. Voilà pourquoi les églises meurent. Et ça fondement posé par un pape, pas par un apôtre. Même pas par un prophète. Tu confètes en aussi la base de quoi? Et ça fait ta baromé ba païen. Oyo moko na bango. Ba nomé ye pape na nenge na bango. Azami apôtre. Azami prophète. Pona ko sepre moko yemoko pe abote amada tuwana. Atye yango na église. Po aza pape. Tu fête en gote. Oyo ko fête Noël. La Bible dit zamba ko bete ayé na COVID. C'est le fléau. C'est le fléau. Abi, Dieu les frappera des fléaux. Ngaïte Bible. Oyo akofete. Ola si bana bilamba sika. Moi sino bakado. Pesa ye. Yango mona ka bana baso kola. Mobulu, mobulu. Parce que okangisi mwana. Na demo ya baromè. C'est le Dieu soleil. Qui n'a rien à faire avec Jésus Christ de Nazareth, notre divin, notre Dieu véritable. Ça va être. Ce que j'aime, Zali, que Osa Koloba, Bilono Sosali Koloba, avec des versets à l'appui, oui. À la lumière des Écritures. Osa Koloba, Boye, Boye, Binayo, Kakate. Ngaïté. Alors, Bible. Mais Nini, Eza Kosala, Lilo. Hein? Bande que je crois bozo landabiso soki yo zali na ba verset contraire o ezako loba ete toko ko fêter Noël à la lumière des écritures tu nous envoies ces versets papa 120 ans est disponible toko benga yako ya ou soit vous même vous pouvez venir o yebisi biso pourquoi yo fêtera Noël. Alors mais vous êtes homme de Dieu, il y a beaucoup d'hommes de Dieu ici en République démocratique du Congo o yo pe toko loba pas les moindres bande ko ba yebi bango mais comment se fait-il que Bayebi makambozo loba mais na ba église na bango ba ko fêter Noël na ba logo ya ba chaîne na bango ba tiebi ko tia Père Noël. Pourquoi cette confusion au sein ya peuple nzambe? Mauvais calcul. Mauvais calcul. Yangonde bibo faut ko yebaye. Hein? Luc chapitre 1 verset 26 à 31. Papa nanga padilei les bien-aimés qui nous suivent. Ça va bolanda bien. Luc chapitre 1 le verset 26 à 31. Pour votre information. Oui. Papa Nilei. Lik azam yuda te. Ça va. Lik azam juif te. Papa. Et pour votre information encore. Il n'y a pas quatre évangiles. Bako sabiso. Il n'y a pas quatre évangiles. Il y a un seul évangile de Jésus Christ. Écrit par quatre évangélistes dont Lik. Toujours par Romain Wana, par Kosabisu, il y a quatre évangiles. Il y a le Kouta. Il y a une seule version, hein? Une seule vie, pardon, la vie de Jésus, écrite par quatre interprétations, quatre révélations. Mais comment il y a quatre évangiles? Qui nous a appris ça? Pourquoi nous tuer dès le bas âge?
selon. Un seul évangile, okay. Selon Matthieu. Donc ça le voilà cour moko, quatre étudiants, wow. Mais wow. Mais cour est moko. Quatre étudiants de bazar le selon compréhension, mais cour est moko. Mais là tu que cour est quatre, non. Une seule vie de Jésus, l'évangile de Jésus notre Dieu. Oui. Écrit. La vie écrite, l'évangile écrit. Par selon Matthieu, selon Marc, selon Luc et selon Jean. Oui. Kaka bango wana ba romain. Si koboyoka awa, lui c'était un docteur. C'est un homme qui a le cerveau. Azali muyuda te. Pour ceux qui disent que la Bible c'est pour les Juifs, pour les Blancs. Oyaza muyuda te. C'est un grec. C'est un grec. Mais quand tu as le récit, Oyazo pèse. Luc combien? Luc chapitre 1, verset 26 à 31. Ok, 26 à 31. Au sixième mois, papa, au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Nazareth, oui. Zambe atindi ange, ayako yebi sa mwasi. Na sixième mois. Na sixième mois. Na quel calendrier? Calendrier banane. Yaba remette calendrier juif hébraïque. Tout calculé na bino. Sixième mois ba lobeli aw. Ya calendrier grégorien ke yaba remette. Ya calendrier hébraïque. Premier mois. Papa parle tout calculé. Premier mois chez les juifs et pas na biso mois de mars. Mois de kuna janvier na bango et bandaka na mars. Premier mois kuna mars. Tokei mars. Deuxième mois et pas nabiso avril. Troisième mois mai. Quatrième mois juin. Cinquième mois juillet. Sixième mois août. Août et nabiso. Ne sixième mois na bango. Oui. Siko zeme koti na août. Zeme koti na août. Zeme koti na août. Sixième mois na bango kuna biso awa huitième mois d'août. Papa balele. Zeme koti na août, septembre, un mois. Octobre, deux. Novembre, décembre. Jésus est né à quatre mois. Omoni. Jésus n'est pas né du Djombé. Ce qui fait le 25 décembre là, tous ont dans Luc chapitre 1, verset 26. Jésus a botté à Makana en décembre. Si il faut aller avec la logique mathématique. Jésus n'est pas né à 4 mois. Il serait né à 9 mois. 4 mois, c'est que fête wane za démoniaque. Ou la fête ango. Zamba ko bete ba frérot. Azo COVID. Donc, si tu mets dans le calendrier, wana, mais ça a 9 mois, il faut aller jusqu'au mois de mai. Mois de mai. Et pour les 25 mètres, pour ne pas encourager ba toi na ver. Donc, c'est la confusion partout. Côté qu'on a bâti en mai, côté bâti en mai, décembre. Bango pour la bango, le 25 mai, jour où leur chef spirituel est à Botama. Je le remets, jour où le soleil est bimi, le polythéiste, nous avons à Longi. Chez nous, n'a pas pu libérer, c'est pas côté en opposant. Il y a une naissance, il y a aussi en humanité entière. Comme ils avaient les influences partout. Babeti Borangot, et Simbat. To sans y angola combo na yes. Voilà. Sikoyo. Père Noël wana auto wapi. Papa n'a pas de lait. Omoni. Parce que c'est lié, hein. Aujourd'hui, yangwana toto le bela likambo ya. Oui, bien que Noël na Bible. Ndenge ba ngomba oloba. Noël na Bible. Moussa Nanzamba démontré. Au se reposant la verset na bagitine de langa. On trouve que par démonstration, Moussa Nanzamba, la lumière des Écritures, on ne trouve pas. On ne trouve pas. Mais, il y a un symbole. Il y a Noël. Oh, y a bande copé, parce que le coach na ba logo na bango, to na bandaku na bango, to pe na ville la Kinshasa, to moni yango, Père Noël a goya. Et koti ya Père Noël, de bango ta na logo, pour symboliser Noël. Alors, et koti wa na Noël, na Père Noël, et bande li biso na Zamba ko sambi sabasan na zambe bele. Osé chapitre 4, verset 6. Ba rejete parole, Dieu va t'appeler fils. Père Noël a outiwap. D'abord, teni à Père Noël. Et ça a rouge, blanc. Mais ils ont teni à publicité, il y a Coca-Cola. Oh. Et ça, Coca-Cola publicité, et ça, les mana États-Unis d'Amérique.
Kuna na malili ya hiver. Maintenant ils sont en plein hiver. Na malili ya hiver ya États-Unis d'Amérique. Hein? Ba sikre eso makalizusu te. Po malili zali. Malili zali. Si ba sendenge nini? Ba profiter na naissance oyo ya fête wana na Noël selo bango, bazwi batu balati teni na bango a publicité ya Coca-Cola. Ba ya kobina pwete ba na ba obligé ba parana bango ba soma na bango ba ba sikre bien que sa période a malili. Oh siko ekoti na makambo azambe ndenge nini publicité ya bato a Coca-Cola bandeko lelo oyo un pasteur alati Père Noël na église. Mais ça c'est grave. Azu a décoré na kati église bazwi na Père Noël ya joué na kati église ba posé azobi na boui. Vous avez imaginé, papa, vous provoquez Dieu, vous maudissez les enfants. Dieu dit, c'est lui qui ajoutera. Et loko o eza na Bible te, zamba ko beta yena ba fléau. Voilà pourquoi les pasteurs souffrent les églises. Il n'y a pas la maturité dans les églises. Il n'y a pas la vie de Dieu. Les pasteurs ne communiquent pas la vie, mais ils communiquent le monde. Or, 1 Jean, chapitre 2, le verset 15 à 17. 1 Jean chapitre 2, le verset 15. Je vais lire cela au verset 17. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Parmi les choses là, faites nabino à Noël ou Anna. N'aimez pas le monde, Père Noël. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Nakolinga moi nangai, ala tabilamba sikate, voisin nanga asekaye, pour préparer moi nanga pour l'éternité, pour fêter Père Noël. Et ça quand même peu normal té na bato yo basombe la rabana ka bilamba na Noël. Ce n'est pas bana ya yomoko. Bana ba ADN na yomoko. Okangi motema papa. Ozeli le 23, le 24, papa. Le 25, soko na mbongo té au défi. Au défi. Nyongo yo kolanda yo na janvier. Papa dilei. Est-ce que pour nazan na poto? D'abord, j'explique pas sa père outa. Parce que sa père aussi hein. Le cola ki nani no le bagi ba kozwa ba principe. Voilà. Voilà, les plantes vertes. Les plantes vertes. Et kota ki na église ndengeni. Banzete zebele. Pona nini kaka yango? Mutu abeta biloko ba français. Na château de Versailles. En 1738. Ba kodi sango. Siko allemand de moko 100 ans plus tard. En 1837. Mademoiselle Hélène Mecklenburg. Yende mutazo kosango n'église à partir à Allemagne. Ne koti na ba église ini pa ini la madame Hélène Mecklenburg. Ne akose na ba église. Lelo obatia sapé na ndaku. Des choses qui provoquent la colère de Dieu. L'idolâtrie que Dieu décline. Oya ko salango un tiers incrédible. Deuxièmement, tu as livré tes enfants. Yamonde bana bazo koma mobulu ko leka bako kwa kala. Ah bon? Oui. Parce que fondement est athée. Les gens qui ont été obligés de se plaindre de la conséquence. Mais il faut qu'il y ait des causes. Les causes sont souvent cachées, mesquines. Et les conséquences, les parents ont détruit ses enfants depuis le bas âge. Mais il y a certains pasteurs qui savent. Il y a certains pasteurs qui ont été obligés de la Bible. Parce qu'ils ont inventé la Bible. Ils ont versé dans la Bible. Ils se retrouvent que, oui, effectivement, il n'y en a pas dans la Bible. Il n'y a pas la date du 25 et tout et tout. Okay. Mais ils fêtent Noël pourquoi? Acte chapitre 30. Non, chapitre 17, verset 30. Je suis prédicateur. Hein? Allez-y. Question biblique, réponse biblique. Papa, parlez-les. Au Moni, il y a une maladie dans les églises. Il y a des gens qui copient ce que l'autre pasteur fait. Mais il ne connaît pas la révélation que ce pasteur-là a eu. Je prends l'exemple. Le palan en église. Haranda bala shikaranda bala shaka baba la da baba. Parce que balé à l'obi, handa bala shike. Moi je vais à l'église, handa bala shike. Non! Il y a des gens qui copient par ignorance. Aïe bité. Il voit tel pasteur
Alati Père Noël à son église, à son une bosse à bana, y est pas assez allant parce que mon ami l'a fait. La Bible dit ceci, Actes chapitre 17, le verset 30. Verset 30. Acte 17. 1. Dieu, sans tenir compte du temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir. Pasteur, il y a fêté Noël. A sangisa ekodim a se repentir. Père Noël a une ekodim. Azo pesa ba cadeau. Atika, atika. Ces garçons peuvent être sorciers, a pesi ba bongo a kindoki pa bana ba tobazu kindoki parce que petite erreur est pas na diable grave conséquence. Pasteur oya yebi ko zali ko sala. Kaza kana occultiste a yebi tika bana ba. Mais pasteur, j'aimerais poser une question peut-être que éclaircir pe moi bandrowa landa biso. Et comme à un moment, nous fêtons la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Là, la fête de Pâques. Ok. Voilà. Ok. La fête de Pâques. Non, Nazela, papa. On fête la mort et la résurrection de Jésus. Alors, pasteur Alobi peut-être boyé. Si on fête la mort et la résurrection de Jésus, c'est que ce Jésus-là était né un jour. Alobi, alors. Tof commémorer attaque Yesu abotamara le gola to lobi ba Yesu kufa atolo batake Yesu abotama na muto azo fêter ka pona Yesu abotamara puisque kufa ki est-ce que yé pas za osumu kaka question biblique réponse biblique 1 Corinthiens chapitre 5 le verset 7 aïe 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 papa dit là oui papa moi j'aime la réponse biblique allez pour toutes les questions bible ami boy 1 Corinthiens 5 verset 7 faites disparaître les vieux levains. Tout le monde la vie levée. Makamabe wana karabanoelo yo. Faites disparaître les vieux levains. Pas que obozo fete wana. Hein? Mona impacte à l'acte soutane. Yabasango. Basango bolanda bango. Vous portez bango plainte. Tout pasteur qui porte les habits nabino. Basango. Papa nanga. Bolanda bango. Ils doivent se justifier. Sur quelle base biblique? Il s'habille comme de mon Seigneur. Et outi wapi. Bolongo la levain à Kala. Pourquoi? Afin que vous soyez une pâte nouvelle. Puisque vous êtes sans levain, car Christ est notre Pâque. Mm-hmm. Il y a Pâque avec Est. Avec Est. Et Pâque ça a Z. Yes. Christ est notre Pâque a été immolé. Nous allons fêter la mort et la résurrection de Christ tous les jours. Quand on a mort d'avilité. Christ a dit, vous ferez cela en mémoire de moi. Toko fete liwape ko sekwa. Toko fete mbotama na ete. Parce que ba apote ba ignorango. Ce n'est pas important pour nous. Mm-hmm. D'abord, aza moi na Marie. Mais aza ma Marie. Aza moi na Joseph te. J'ai la réponse ici. Jésus aza moi na ya Joseph te. Lik alobi ango. Na tenga la bino ango. Allez-y. Lik chapitre 3. Verset 23. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, étant comme on le croyait fils de Joseph. Faut qu'en français. Comme on le croyait. Jésus avait environ 30 ans. Maman, lorsqu'il commença son ministère, étant comme on le croyait, fils de Joseph, Moutouaza n'a pas pâté à cause de la date de naissance. Oh, oui. Pour calculer en fonction. Ne peut avoir une date de naissance que lorsque tu as un géniteur. Mais lui n'a pas de géniteur. C'était un Dieu qui a tabernaclé la terre. Bon, père, c'est d'être comme ça. Voilà, c'est le pasteur Eugène Zaou, dit papa 120 ans, à la lumière, à la lumière des écritures. Et puis toutes les réponses ont un fondement biblique. Yangwana mouina le bagibo, yo zali na vie contraire, yo yebi badata Noël na kata Bible, benga biso, le plateau est ouvert, toro yambayo na masolo amboka poto le belango. On va chuter, papa, na piste de solution. Ok. Et zali na ba famille et belé. Basi ba fêta ba Noël et belé. Basi ba décoré qui déjà église. Na minute autour loba, il y a l'église déjà décorée.
Ekodimi déjà bana nso bakolata sika Père Noël pesa yebani. Baluki frère moi azamo li bumunene boyaza. Frère wando kiwa. Oya sula. Frère wana déjà abongisi déjà bilamba ya rouge blanc. Na mandefu. Ya bibisa kwa kula. Akobimela bana po pesa bango bakado. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ah, on a minute yo yo si au panzibo à la lumière des Écritures. Et c'est un libre salané. Acte chapitre 17, verset 30, dans Zongeli Yango. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu qu'ils ont à se répentir. Bolongo la basapin, bolongo la décoration la bandaku, boani les fêtes. Boliam normalement, convenablement, le cola, journios. C'est ce que tu as fait. Oui, oya kosa langote. Apocalypse chapitre 22, verset 19, 18 à 19. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera de fléau. Ou alingi ba ne ba betam, année prochaine. Hein? Ba fête Noël. Tosuki siwana, na yibi sho tout à l'heure, sur le calendrier de la République démocratique du Congo, mbo kanabiso. Ok. Le 25 décembre, les affériés. Jour de Noël. Nous sommes un pays laïque. Nous sommes un pays laïque. Hein? Awa, pays laïque. Pays là? Laïque. Mais infiltration à date, kota nengeni. Un pays laïque. Un pays laïque qui obéit à l'ordre des papes. Est-il encore un pays laïque? Voilà. Merci en tout cas. Qu'est-ce que tu veux répondre, c'est bien? Biblique. Oyo akende salamu sala na yo salo kola Yesu asala ki menezeri mukolo kuna salamu sala na yo salamu sala na yo eza journée mon normal papa repo vanda na yo cha musique na yo longwa na makansi ke Noel. Voilà, parce que Dieu n'est pas né. Papa Yasuka Yasuka Matthieu. Oui, Matthieu chapitre 1. Hein? Boyok Jésus n'a pas été engendré. Il n'a pas été engendré. Bon, Matthieu chapitre 1. Voici la généalogie de Jésus-Christ. Verset 1. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David. Fils d'Abraham. Tokei. Abraham engendra Isaac. Omoni. Kingande engendra Kingan. Kingande engendra Kingan. Kingande engendra Kingan. Tozokende. Papa Nangai. Tokomi Awa, na verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Papa, papa, le. Marie, Saint-Esprit, a koti na libumonaye. 9 mois après, Moutouabo Abimi. Dieu bengaye, fils de Dieu, fils du Saint-Esprit qui est entré. Répondez, gars. C'est le Saint-Esprit qui a tabernaclé le ventre de Marie. 9 mois après, a commis Moutou. Ouais. Tu as bien gagné, moi, Namouli, Moussan, tu es moi, l'ensemble. Moi, l'ensemble. Mais qui est entré dans le ventre? Le Saint-Esprit. C'est que Jésus, hein, y a le Saint-Esprit, hein, y a le Zambé. À cause de la date de naissance, tu es présent Zambé, aïe. Ça passait par une maman. Merci. Par un papa. Voilà. Nous avons fini, mesdames, messieurs. En tout cas, un grand merci pour notre disponibilité. À moi aussi de vous remercier, papa. Je vous laisse quelques secondes. Adressez-vous à Mokili Mobimba. Parce que l'émission sera diffusée ici. L'émission également ira sur YouTube. Mokili Mobimba Landa. Un court message d'une minute par rapport à Noël. Oui, monsieur Batouni. Par rapport à Noël, ne faisons pas pécher le peuple de Dieu. Peuple Zolia bienté. Si les politiciens ont connu une faille, nous avons une grande arme, la Bible. Place cette Bible et tu es fêtité. Place cette Bible et lobby A. Place cette Bible et lobby I. Tangango I. Nous sommes sur le fondement de 1 Corinthiens. Chapitre 3, verset 11. Personne ne peut poser un autre fondement. Liberus a tes fondations. Totika, to prépare banana zambe parce que Jésus-Christ te revient. Accepte qu'on t'injurie. Parce que moi, kosumuka. Que yo osumuka. Qu'on puisse applaudir pour toi. Tu ne verras pas la gloire de Dieu. Na pamboli, papa, na biso, bradilei. Amen. Pour ces émissions,
qu'il organise qui sont pour l'utilité yabatu nyonso ezala oya sambelaka ezala oya sambelaka te kola baksire ba mvula kola pambola madame na ye kola apambola bana na ye ba fetaka no walite onom. Voilà, nous avons terminé. Merci à la grande équipe je technique. Je suis pasteur, fils de quatre messagers. Oui. Je suis responsable d'une grande communauté d'Otan Church, Cité des Triomphes. Na zwami na veni l'usizi la numéro 47 bis, na mbinza ozone. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Merci. C'est ici que prend fin donc cette émission. Masolo ya Mboka, que la lumière soit et la lumière fut. Tout soucia. Matéisi.